Tu sais, j'ai un peu l'impression de me cacher derrière mes beaux conseils. Après, j'ai un peu l'impression que c'est le cas de tout le monde. Mais ça fait que j'ai le sentiment d'avoir le poids du monde sur ma poitrine qui me compresse encore et encore, et ça, toujours plus fort. C'est marrant parce que j'ai jamais été aussi isolé à gérer ça tout seul. Et bordel, je suis toujours pas de bonne compagnie, hein. Ou pas toujours? J'avais déjà écrit des sons dessus, mais j'en comprends toujours le sens. Tout droit sorti de l'anxiété, on peut peut-être pas sortir de ce cercle vicieux. Juste apprendre à vivre avec. Chiant comme cohabitation. Tu sais, je m'écoute, donc je l'entends, mais il dit que de la D. Même si l'équation, elles sont résolues depuis un certain temps maintenant, j'entends toujours sa voix. Et je l'entendrai peut-être toujours, qui sait. Tous les jours, c'est le monde contre moi, mes fautes, tout le monde m'en veut et m'en voudra toujours. C'est peut-être pour ça que je suis solo sur mon canapé à causer tout seul. Mon petit frère me dirait certainement « T'es con, mec, en rigolant !» Et il a raison. Je suis qu'un gros con qui a besoin de sa gratte. C'est médicinal. J'avais besoin de ce riff. Tu l'entends, la campagne sud-européenne? Comme dans ce morceau, j'ai fait le tour plusieurs fois. Et au final, qu'est-ce qui me reste? Je dirais 3 bouts de feta, 2 questions et une réponse. Qu'est-ce qu'il me manque comme déclic? Qu'est-ce qui réparera mes blessures? Et la réponse à tout ça, je pense que c'est le temps.